Déclaration de la plateforme des organisations et syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, COSECSI, relative à la pandémie du COVID-19. Considérant la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, vu sa propagation rapide ainsi que les risques potentiels de mort qui guettent sans discrimination les filles et les fils du pays, le conseil d'administration de la plateforme des organisations et syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, COSECSI, réuni le mardi 31 mars pour examiner la question du COVID-19, a pris des mesures et fait des recommandations en vue de contribuer à son endiguement. Après analyse de la question, le conseil d'administration de la COSECSI a conclu que pour l'heure, le seul combat qui vaille la peine d'être mené est celui de la protection et de la défense de la nation contre le COVID-19. Au titre des mesures, première mesure, le retrait du préavis de grève de la COSECSI. Le conseil d'administration de la COSECSI a acté le retrait de son préavis de grève en adressant à cet effet un courrier au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Deuxième mesure, le lancement d'une campagne de solidarité nationale dénommée « Grande contribution verte pour la lutte contre le COVID-19 ». La COSECSI appelle tous les enseignants, chercheurs et chercheurs des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire à participer massivement à la campagne de solidarité nationale de leur corporation dénommée « Grande contribution verte pour la lutte contre le COVID-19 ». Nous demandons à tous les enseignants, chercheurs et chercheurs d'apporter leur contribution, car un don quelconque peut sauver une vie. Troisième mesure, l'appel à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le COVID-19. La COSECSI appelle les populations à soutenir tout effort du gouvernement de Côte d'Ivoire pour endiguer cette pandémie. Elle les exhorte à l'union, à la discipline et à la prise d'initiatives individuelles et collectives contre le COVID-19. Au titre des recommandations, première recommandation, l'utilisation des compétences et expertises issues des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire par la mise en place d'un conseil scientifique national contre le COVID-19. Vu que les universités et grandes écoles publiques ivoiriennes regorgent de nombreuses compétences et expertises, la COSECSI demande au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'œuvrer avec diligence à la mise en place d'un conseil national scientifique contre le COVID-19 afin d'apporter une réponse thérapeutique rapide à la pandémie. Oui, chères concitoyennes, chers concitoyens, face au COVID-19, il n'y a pas que la maladie et la mort. Il y a aussi et surtout l'espoir et la vie. Et en la matière, les enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire sont disponibles et prêts à apporter leurs contributions scientifiques et techniques. Deuxième recommandation, appel à une trêve politique et sociale pour lutter ensemble contre le COVID-19. Vu l'extrême gravité de la situation, la COSECSI demande à tous les acteurs politiques et sociaux d'observer une trêve politique et sociale dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En effet, pour être efficace, la lutte contre le COVID-19 devra être menée sans calcul politicien et électoraliste. Dans l'union, la cohésion et la fraternité. Une fois de plus, aujourd'hui, le seul combat qui vaille la peine d'être mené est le combat contre le coronavirus pour sauver nos vies, celles de nos concitoyens et sauvegarder notre très chère Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher, nous sommes bien en situation de guerre et de catastrophe sanitaire. La Côte d'Ivoire a donc besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour gagner la guerre contre le coronavirus. Il est clair que toute division va desservir la nation et profiter au COVID-19. Troisième et dernière mesure, la prise de mesures pour le reversement rapide des salaires suspendus des enseignants du supérieur et du secondaire. En tenant compte de la situation des crises sanitaires,
et de ses exigences financières pour chaque famille, la présidence demande au gouvernement de reverser les salaires suspendus des enseignants du supérieur et du secondaire. Enfin, nous tenons à rassurer tous nos collègues en ce qui concerne nos revendications, que notre lutte syndicale reprendra au moment opportun, c'est-à-dire après la victoire contre le Covid-19, marquée par la reprise d'une vie normale en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 1er avril 2020, pour la Projexi, Dr. Léo Canabin-Oumar.